Good morning, Alei, Daniel Jusre, aujourd'hui le Nishmat Dov Ben Yehudit et Eviatar Amram Ben Chedva, ainsi que le Refouat Chaim Avraham Ben Rachel et Moshe Yoel Ben Rachel Betoch Sh'ar Cholei Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions aujourd'hui Masechet Shabbat, Perek Dalet, Mishnah Aleph, En Bame Tomnin ou Vame En Tomnin. En Tomnin, Lo Begefet, Velo Bezefet, Velo Bemelach, Velo Besit, Velo Bechol, Ben Lachim, Ben Yeveshim. לא בתבן ולא בזגין ולא במורחין ולא באסבים בזמן שהם נחים, אבל תומנין בהן כשהן יבשים. תומנין בקסות ובפירות ובכנפי יונה ובנסורת של חרשים ובנעורת של פשתן דקה. רבי יהודה אוסר בדקה ומתיר בגסה. On démarre aujourd'hui dans notre chapitre l'interdit de Hatmana qu'on a déjà évoqué malgré nous dans le périk précédent, le périk Ira, parce que c'était nécessaire en fait. Concrètement, c'est un sujet délicat parce que c'est très flou ce qui se passe. Il parlait d'une réalité, d'une réalité un peu différente à notre époque. Je vais d'abord expliquer succinctement le principe de Hatmana. Hatmana, il y a deux interdits dans l'interdit de Hatmana. Hatmana, ça veut dire couvrir, enfouir un plat pour bien le préserver sa chaleur. Chachamim ont interdit deux interdits. Un avant Shabbat et un pendant Shabbat. Pendant Shabbat, tout d'abord, alors Ramim m'a interdit de prendre une marmite qu'on va enlever du feu et qu'on va envelopper avec des couvertures, par exemple, même si c'est dans un matériau qui n'ajoute aucune chaleur. D'accord? Cas classique, je sais pas, moi, imaginez, vous êtes en Israël, donc il y a un hérouf, on peut porter dans la rue, il n'y a pas de problème. Et puis, vous êtes invité chez quelqu'un, vous devez apporter une marmite de ce que vous voulez, poisson. De poisson. D'accord? Et maintenant, là, on craint que... Alors si maintenant tu dois apporter le poisson, tu veux qu'il reste chaud. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'envelopper dans des serviettes pour que sa chaleur soit maintenue. Bah, Rami m'ont interdit cette action. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, hey, tu vas commencer comme ça à l'enfouir, à l'envelopper comme ça pour maintenir sa chaleur. Si ton souci, c'est maintenir sa chaleur, il va y avoir quelqu'un qui, machinalement, il va se mettre à refaire chauffer un dernier petit coup le poisson avant de le transporter pendant Shabbat, pour s'interdire pendant Shabbat de faire chauffer. Mavir, allumer le feu ou amplifier le feu. Du coup, Rami on dit, pendant Shabbat, on n'enveloppe plus. Si tu veux envelopper les plats, tu le fais que avant Shabbat. Lorsque tu vas le faire avant Shabbat, alors attention. Il y a des matériaux qui maintiennent la chaleur, et il y a des matériaux qui amplifient la chaleur. Avant Shabbat, tu auras le droit d'envelopper dans différents matériaux qu'on va voir dans notre Mishnah, c'est l'objet de notre Mishnah, de nous dire quels sont ces matériaux qui n'augmentent pas la chaleur. Donc là, tu pourras l'envelopper, par exemple, dans une couverture, tu auras le droit. D'accord? Parce que ça ne va pas augmenter la chaleur, ça va juste préserver la chaleur. Tu auras le droit. Mais par contre, il y a d'autres matériaux, comme par exemple du sable, on va évoquer un petit peu plus précisément c'est quoi, mais du sable, imagine tu veux envelopper ta... Tu veux garder un plat chaud, tu n'as pas de plaque de cuisson pendant Shabbat, tu n'as pas moyen de le faire. Il y a une autre technique, peut-être qu'il utilisait à l'époque, j'imagine. Tu prends une caisse pleine de sable, et puis tu lui fais une place. Si le sable l'avait prévu d'ailleurs pour cet effet, c'est possible qu'il ne soit pas bouqueté non plus. D'accord, tu lui fais une place maintenant pour mettre ta casserole dedans et la recouvrir de tous les côtés de sable. Apparemment, ça a l'air d'être une super technique pour maintenir la chaleur. Le problème, il est que ça, le sable, dans cette circonstance, ça ajoute de la chaleur. Et, ne me demandez pas ce que ça veut dire, je vous promets que c'est compliqué à comprendre. Je toucherai un mot quand on arrivera concrètement dans la Mishnah. Mais pour le moment, la Mishnah considère que ça ajoute de la chaleur. Donc vous mettez maintenant votre marmite dedans, ça ajoute de la chaleur, t'as pas le droit de le faire même avant Shabbat. De peur que quoi? Qu'à force de chercher des matériaux qui maintiennent bien la chaleur, tu vas te mettre à trouver tout simplement du bon charbon qui a brûlé aujourd'hui, tu vas récupérer toutes les cendres du four, du mangal, du barbecue, tu vas les récupérer quand c'est super, ça conserve bien la chaleur seulement, dans ces cendres de barbecue. Il y a aussi parfois des charbons qui ne sont pas vraiment éteints. Et puis après, tu risques de mettre, d'amplifier un petit peu le feu à Shabbat, à attiser un petit peu le feu. Du coup, Rami nous ont dit, en aucune circonstance, tu n'envelopperas pas, et tu n'enfouiras pas ton plat dans une casserole, dans un matériau qui ajoute de la chaleur. Donc du coup, retenez bien maintenant, il y a deux interdits de Hatmana. Hatmana bedavar chez Eno Mosif Hevel, même pendant Shabbat. Atmana bedabar hamosifevel interdit même avant Shabbat. J'ai mal parlé. Atmana bedabar chez enomosifevel interdit pendant Shabbat, mais permis avant Shabbat. Et Atmana bedabar hamosifevel interdit même avant Shabbat.
Atmana bedavar she'enom osif hevel, ça veut dire enveloppé dans quelque chose qui n'ajoute pas du hevel. Hevel, c'est la chaleur. Ça n'ajoute pas de la chaleur. C'est interdit pendant Shabbat, mais c'est permis avant Shabbat. Par contre, bedavar mosif hevel, quelque chose qui va ajouter de la chaleur, c'est interdit même avant Shabbat. C'est clair? Ça, c'est la base de l'alachot. Concrètement, la Mishnah maintenant va nous préciser, avant Shabbat, toutes sortes de matériaux à utiliser ou ne pas utiliser pour enfouir les plats, comme ce qu'on va traduire dans quelques secondes. À notre époque, on n'est plus tellement confronté à ça. L'interdit de l'atmana, il est relativement rare par rapport à tout ça, mais il y a une application très fréquente. C'est que lorsqu'on veut mettre un plat sur la plaque, même la plaque est couverte, la méhadrine avec un tampon cachère, elle est couverte, elle est tout ce que vous voulez. Vous mettez votre casserole dessus. Et vous prenez une couverture pour recouvrir tout, pour bien couvrir votre marmite, comme ça elle veut bien conserver sa chaleur. Eh ben, les poskim me rapportent qu'on transgresse l'interdit de Hatmana. Il faut. Ouais. C'est-à-dire, si, étant donné que maintenant tu es en train d'envelopper ta marmite dans Bedavar Hamosif Hevel. Puisque maintenant, ensemble, la plaque en dessous qui produit de la chaleur et la couverture au-dessus qui va bien couvrir ta marmite, va faire que maintenant la chaleur va être très bien conservée. Il y a un interdit de Hatmana. Si on a transgressé l'interdit, il faut savoir. Il rapporte ici le Tosot Hadashim, une marloquette entre le Shulchan Aruch et le Rama. Est-ce qu'à posteriori, on a le droit de manger le plat pendant Shabbat? Vous imaginez? Il y a dans Simon Resh Nun Vav, Shulchan Aruch qui interdit de manger le plat ensuite. Et tandis que le Rama dit qu'à posteriori, on aura le droit de le manger. Regardez l'ampleur. Concrètement, pour ne pas transgresser l'interdit de Hatmana, il faut deux solutions. Une solution qui est admise, bien que quelque peu discutée, c'est de lui laisser une face conséquente découverte. D'accord? Par exemple, vous savez, c'est fréquent avec les gens, ils aiment bien avoir de l'eau chaude, elle doit être chaude, bien, bien, bien chaude. Du coup, vous avez une grande marmite d'eau chaude à Shabbat, et puis elle a tendance à un petit peu refroidir, surtout en hiver. On veut lui mettre une couverture. Maintenant, vous allez lui mettre une couverture, si vous voulez le recouvrir de tous les côtés, vous êtes en train de faire une atmana, ben d'avoir un moussif. Alors, qu'est-ce qu'il faut lui faire? Il faut, lui, l'usage, il est de laisser une face découverte. Parce que là, c'est rapporté dans les poskim, beaucoup pensent que si on ne fait pas une atmana complète, si on n'enveloppe pas de tous les côtés, eh bien, c'est plus considéré comme une atmana, c'est plus qu'on était matmin, on ne l'a plus enfoui, et dans ce cas-là, c'est permis. C'est une première solution. D'accord? Donc, vous recouvrez, vous mettez votre casserole, et puis vous laissez une face découverte. Ou il y a encore une autre solution. Alors là, c'est un peu plus compliqué à réaliser, mais c'est la méhadrine ou la méhadrine. La meilleure même, c'est que l'interdit de l'atmana, c'est que lorsque la couverture enveloppe bien, elle sert bien la marmite. À exclure, si la couverture, elle est de loin. En théorie, en fait, si vous avez une plaque et vous créez un dispositif avec un cadre où de loin, vous allez avoir une super couverture qui va envelopper de tous les côtés, mais que la couverture, elle ne touche pas la casserole, c'est parfait. Maintenant, si vous n'avez pas le dispositif, il y a quand même deux solutions à faire. Vous prenez, par exemple, un ravier à l'envers, peu importe. Et puis dans ce cas-là, vous mettez la couverture dessus, comme ça, ça va sur le côté. Les dessinateurs précisent que écarter un petit peu la couverture, ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait quelque chose d'assez conséquent, d'accord? Ils n'ont pas donné de mesure exacte, ce qu'il faudrait faire passer la main dedans, je ne sais pas. En tout cas, il ne faudrait pas que ce soit dessus, franchement. Ok, voilà pour l'application concrète de l'Atmana. Maintenant, on va commencer à aborder la Mishnah concrètement. Mishnah pas évidente. Dans les cas, même à traduire, ça va être un peu dur, mais bon, on va se débrouiller. Bah, metomnin ou va me entomnin. Avec quoi peut-on enfouir, envelopper? On va me entomnin. Et avec quoi on ne peut pas envelopper? D'accord? Quels sont les matériaux qu'on peut utiliser et qu'on ne peut pas utiliser pour que, avant Shabbat, envelopper ton plat pour qu'il maintienne sa chaleur sans que ça lui ajoute de la chaleur? Entomnin, on n'enveloppera pas. L'obé gefet. Alors, gefet. Il libère de l'honora, il rapporte que c'est des psolets chelzetim et shumshemin. On va sumsemin. Shumshum. Il y a des résidus d'olive et de sésame. Sumsum. C'est-à-dire, en fait, une fois que j'imagine que quand pour pouvoir faire avec l'huile d'olive, on récupère toutes sortes de résidus d'olive, une fois qu'on les a écrasés, qu'on les a broyés, qu'on a exclu l'huile, ça, c'est naturellement, il y a une chaleur naturelle dedans. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je promets que c'est compliqué, mais quand je vais arriver à Chol, je vais vous expliquer quelque chose qui est rapporté par Rabbi Akiva hier. L'obé gefet. Mais l'obé zefel, et pas non plus avec du fumier. Alors là, si ça vous dit de manger une daf à la de cheval, et ben voilà. C'est une solution de maintenir la chaleur, mais c'est interdit. Vous ne pourrez pas. L'obé melach, on ne pourra pas l'enfuir non plus dans du sel.
Le sel apparemment a cette propriété aussi d'amplifier la chaleur, d'augmenter la chaleur. Vélobécite donne de la chaux, c'est sûr. Ça ajoute de la chaleur, c'est connu, la chaux, je ne sais pas quoi, comment est la chaux naturelle, mais c'est un forage dans le Divrei Chazal et tout ça. Il y avait avec les Meler Sdom et Amora qui sont tombés dans un puits de chaux et ses doigts brûlaient. Je ne sais pas exactement la chaux qu'on étale sur les murs, aujourd'hui elle n'est pas chaude. Mais en tout cas, la chaux de l'époque, elle était peut-être dans son état naturel, elle est chaude. Vélobechol, et on n'en fuira pas non plus dans du sable. C'est-à-dire que le Michel nous a en fait que le sable, il a aussi cette propriété d'être. De rajouter de la chaleur, ça veut dire si vous prenez une marmite chaude, vous le mettez dedans, et bien la chaleur elle va aller en s'amplifiant. J'imagine que ça va finir quand même par refroidir à un moment, mais en tout cas, naturellement, le premier contact avec lui, c'est de lui ajouter de la chaleur. Et ça, la Mishnah précise, ben lachim, ben yeveshim, qu'il soit humide ou qu'il soit sec. Maintenant, par rapport au sable, précisément, il y a Rebbe Akiva Eiger qui nous rapporte quelque chose d'extraordinaire pour ici. Il y a dans le plus loin, dans le Perek Chav Gimel, Perek 23, Mishnahé, là-bas il y a écrit, on parle dans d'autres choses, on parle d'un mort pendant Shabbat, comment on doit s'occuper. La Mishnah nous dit qu'on a le droit de faire en sorte qu'il va tomber sur le sable par terre pour ne pas qu'il se chauffe. Là-bas, donc, il y a écrit que le sable a la propriété de refroidir et pas de chauffer. Contradiction frontale, là, tu es en train de me dire que le sable chauffe, et là-bas, tu me dis que le sable est refroidi. Et là-bas, il rapporte un RAN qui explique qu'en fait, non. Le sable a la propriété de chauffer ce qui est chaud et refroidir ce qui est froid. En fait, si vous prenez faites l'expérience, vous me direz qu'est-ce que ça aura fait. Si vous prenez quelque chose de froid, de glacé, vous le mettez dans du sable, et bien le sable il va maintenir pendant longtemps la fraîcheur. Il va l'aider à ne pas se réchauffer. Par contre, si vous prenez une marmite chaude, et vous voulez la mettre dedans dans du sable, et vous la couvrez bien de tous les côtés dans du sable, bien il s'avère que le sable il va amplifier la chaleur. C'est-à-dire, naturellement, quand il va chauffer, il va ajouter de la chaleur sur la marmite. D'accord ? Voilà pour la première partie. Donc cela, la Mishnah est séparée comme ça. Il y a le premier matériau, ils sont défendus, qu'ils soient humides ou secs. Maintenant, on va avoir une deuxième série de matériaux qui vont amplifier la chaleur s'ils sont humides dans leur humidité naturelle. On va expliquer c'est quoi aussi. Mais pas s'ils sont secs. Et dans cette série, on a donc l'obéteven, ni avec de la paille ou du foin. L'obé zagim. Zagim, c'est des psolets chalanavim. Cela des résidus de raisin. Lorsqu'on a écrasé, piétiné le raisin pour pouvoir en faire du vin, et bien on récupère ensuite toute cette psolette. Et elle a aussi cette faculté aussi de maintenir la chaleur bien. Sauf que si elle est dans son humidité naturelle, à exclure, si ça a séché qu'après on l'a réhumidifié, mais si elle a encore son humidité naturelle, et bien ça va amplifier la chaleur de nouveau. Vélo bémochine, et pas non plus avec. Le mot mochin, c'est tout ce qui est mou, toutes sortes de comment dire, de matière, de tissu qui est encore à son état brut et qui est mou. Ça peut être du coton brut, ça peut être de la laine brute, ça c'est des mochin, tout ce qui est mou. Quand là-bas, rare carouille mochin. On remplissait les coussins à l'époque avec les mochin, on en parle dans la Gemara. Donc on ne pourra pas non plus enfouir le plat avec ces mochin s'ils seront humides. Vélo basavim, et pas non plus avec tout simplement de l'herbe. Prenez toutes sortes d'herbes qui sont encore humides comme ça, et vous allez couvrir votre plat avec ça. C'est aussi des matières isolantes qui vont même amplifier la chaleur, si bisman shem lachin, s'ils sont encore humides, comme nous dit le Barthénora, dans leur humidité naturelle. D'accord ? Aval, mais pas si toutefois ils ont séché, qu'après vous avez réhumidifié, ça n'a plus la même humidité naturelle. D'accord ? Aval tomnin. Entre parenthèses, Barthénora précise aussi, pour la laine qui est naturellement humide dans son état naturel, on précise qu'il s'agit en fait de la laine qui se trouve sur le mouton, dans les parties un peu humides où ça transpire, où ça mouille, d'accord, quand il faisait besoin. Et donc ça aussi, c'est une humidité naturelle, qui est donc, dans cette circonstance, ce sera interdit. Mais par contre, mais on pourra envelopper les plats dedans lorsqu'ils ont séché, et même si après on les a réhumidifiés. Tomnin biksut maintenant, qu'est-ce qui est permis qui n'ajoute pas de la chaleur, et on parle que de avant Shabbat. Tomnin biksut au beperot, on pourra enfouir, par contre, la marmite, l'envelopper dans des vêtements avant Shabbat, parce que ça n'ajoute pas de la chaleur, ou beperot, dans des fruits, en fait, quand on parle de fruits, c'est fréquent dans la Mishnah, quand on parle de fruits, on parle de blé. De blé ou de voix, de céréales.
Bekanfeyona, Kanfeyona, c'est des ailes d'oiseau, mais en fait, non, il s'agit des plumes. C'est aussi un isolant, même à notre époque, je crois. Ou Benesoret shel Charashim. Et aussi dans de la sciure de bois. Charash, c'est celui qui travaille le bois. Il récupère plein de sciure. Ben, cette sciure-là aussi, en fait, si vous remarquez, ils cherchent sans arrêt des choses qui sont assez, comment dire, poussiéreux, comme ça, en grosse quantité. Et comme ça, on met la casserole dedans et puis ça maintient la chaleur. D'accord? Donc, Benesoret shel Charashim, dans la sciure de bois. Ou Benesoret shel Pishtan Daka. Benesoret shel Pishtan Daka, alors c'est lorsqu'on carde. Le lin. Pour faire le lin, on récupère un fil épais comme ça, et puis il faut l'écraser et le frapper. Ce qu'on appelle, on est menapet soto, et je crois que ça se dit en français cardé. Et donc, lorsqu'on l'a. On le, ensuite, on, comme ça, on fabrique une petite fibre. Après, on récupère la fibre, on le tisse. Là-bas, ensuite, on va récupérer aussi des petits résidus. Et apparemment, ça aussi, ça a la capacité de maintenir la chaleur, c'est un bon isolant. Bon, on pourra récupérer cette Nerotch al Pishtan, même si c'est du Pishtan Dak. Même si ces résidus sont très fins. Tandis que Rabbi Yehuda Oser Bedaka, Rabbi Yehuda interdit si ces résidus sont très fins, ou Matir Begassa, mais il permet si les résidus sont un peu plus épais. Ok? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha, Kol, Touv, Selah.